C'est une des destinations les plus inaccessibles du monde. Pyongyang, capitale de la Corée du Nord. C'est mon 5e voyage dans ce pays et comme les autres fois, impossible de réserver mon vol. Seules les autorités nord-coréennes peuvent délivrer un billet. Je dois le payer en liquide au comptoir de la compagnie nationale. La Corée est hors du monde et ses habitants aussi, que l'on reconnaît à ces badges qu'ils portent sur le cœur. Ces insignes représentent leurs dirigeants. Toute la population a l'obligation de les porter. À bord de l'avion, aucun journal ou film au choix. Les hôtesses me remettent des magazines à la gloire du régime. La seule vidéo diffusée est celle d'un concert en hommage aux aviateurs de l'armée. Impossible d'y échapper, la bande-son tourne en boucle dans l'avion. Dès l'arrivée, je suis prise en charge par deux guides et un chauffeur. Ils m'encadreront désormais jour et nuit. Pourquoi deux guides ? Parce que chacun surveille l'autre. Aucun ne pourra se laisser aller à des confidences. Première étape obligatoire du séjour, je suis conduite au pied des statues des deux précédents dirigeants du pays. Kim Il-sung, grand-père de l'actuel leader, et Kim Jong-il, son père. Je dois y déposer des fleurs et m'incliner. Sans cette marque de respect aux autorités, le reportage serait compromis. Je connais bien ce rituel, mais c'est la première fois que je suis autorisée à aborder une passante. Alors, madame, qu'est-ce qui est important pour vous? Pourquoi est-ce que vous venez ici? Depuis le décès du président Kim Il-sung et celui du général Kim Jong-il, nous avons tout le temps envie de les revoir. Et ici, j'ai l'impression que c'est le cas. Je ne peux pas les oublier. C'est pour cela que je viens tous les matins. Interroger des gens dans la rue est une pratique banale en Occident. Mais en Corée du Nord, c'est en principe impossible. Filmer leur vie quotidienne, inconcevable. Et pourtant, à l'occasion de ce voyage, je vais pouvoir visiter une usine, rencontrer une famille dans son intimité, me déplacer à la campagne, pénétrer dans un hôpital et dans des parcs d'attractions. Il m'a fallu des mois pour obtenir ces accès. Le régime n'est pas disposé à ouvrir ses portes. Ce pays se sait sous surveillance. Les Nations Unies, dans un rapport publié ces derniers mois, dénoncent les atrocités commises contre des dizaines de milliers de prisonniers politiques, le contrôle de la population et la discrimination sur la nourriture, entre autres. Bien sûr, je le sais à l'avance, certains Nord-Coréens qui vont nous répondre ont été choisis par les autorités. Mais les rencontrer permet tout de même de se faire une idée de ce qu'ils vivent. Voyage dans le pays le plus fermé du monde, où un parti unique régente la vie de 24 millions de personnes depuis plus de 60 ans. C'est ma première journée. Dès 6 heures du matin, je suis réveillée par ces slogans révolutionnaires. Des camionnettes les diffusent chaque jour, sous les fenêtres de mon hôtel et partout dans le pays. Les Nord-Coréens partent au travail en musique, mais aucun d'entre eux n'a choisi son métier. C'est l'État qui, selon ses besoins, attribue une fonction à chacun. Ma première visite est celle de cette usine de Pyongyang, où les ouvrières fabriquent les vêtements fournis à la population. Ici, le régime habille tout le monde. Il attribue aussi les logements, distribue la nourriture et verse un tout petit salaire. Impossible d'ailleurs de savoir à combien il s'élève. 8500 femmes travaillent dans cette fabrique, mais je ne peux en interroger qu'une seule. Elle a été sélectionnée, la meilleure de toutes, désignée héroïne du travail. Je m'appelle Moon Kang-soon. J'ai 32 ans et cela fait 16 ans que je travaille dans cette usine.
Cette usine a été visitée par les trois générations de nos dirigeants. Et il y a eu 16 héroïnes du travail. Donc moi aussi, j'ai voulu travailler ici et ainsi faire plaisir à nos leaders. Faire plaisir aux leaders, cette expression, je vais l'entendre tout au long de mon séjour. Une sorte d'obsession. Moon Kang-soon est convaincue qu'elle doit tout aux dirigeants. Je suis orpheline. Et je pense que dans un pays capitaliste, c'est la perte de tout. On peut être abandonné, à la rue. Ici, grâce à l'amour de notre parti et de notre général, qui prend soin des gens, je m'en suis sortie. Il n'y a pas de mendiants en Corée, ça n'existe pas? Non, cela n'existe pas. Le gouvernement prend tout le monde en charge. Et donc, je vis heureuse, sans éprouver de chagrin d'avoir perdu mes parents. Moon Kang-soon est orpheline, mais heureuse, dit-elle. La propagande répète sans cesse à la population qu'elle vit dans un monde parfait. Mais les Nord-Coréens ne connaissent rien d'autre. Ce dimanche, je suis conduite sur une aire de jeu du centre-ville. Un adolescent fait regonfler son ballon de basket pendant que les anciens jouent aux cartes. Sur les terrains de sport, les jeunes s'amusent. Le dirigeant du pays, Kim Jong-un, est un passionné de basket. Et il a invité plusieurs fois un joueur célèbre, l'Américain Dennis Rodman. Mais ici, même les jeunes adeptes de ce sport ne sont pas au courant. Est-ce que vous connaissez Dennis Rodman? Non, ça me dit rien. Michael Jordan? Non plus. Est-ce qu'il a déjà entendu parler de Tony Parker? Non. Je ne connais pas ces joueurs, mais je sais que notre maréchal, Kim Jong-un, aime le basketball. Les Nord-Coréens vivent en vase clos. Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser des téléphones portables. Mais qui peuvent-ils appeler? Ma guide me dit que seules les communications nationales sont autorisées. Quant à Internet, uniquement l'élite y a accès. Contrôler l'information est une obsession pour le régime. Je suis soumise au même traitement. Ici, mon téléphone ne fonctionne pas. À l'hôtel, j'achète donc une carte SIM réservée aux étrangers. À l'inverse des Nord-Coréens, je pourrais appeler à l'international. En revanche, impossible de composer des numéros locaux. Par exemple, je ne peux pas appeler ma guide, qui elle non plus ne peut me joindre. Bref, tout est fait pour qu'aucun Nord-Coréen ne puisse échanger avec un étranger. Le régime décide aussi du lieu de résidence de la population. Les plus fidèles sont favorisés. Comme Moon Kang-soon, l'ouvrière, qui habite dans un de ces immeubles. Je suis autorisée à me rendre chez elle pour la soirée. Dans ces bâtiments également, tout le monde a une fonction. Cette femme, par exemple, est responsable de l'ascenseur. Son rôle, appuyer sur les boutons des étages toute la journée. Ce qui lui permet aussi de surveiller les allées et venues. C'est le mari de Moon Kang-soon qui me fait visiter leur appartement. Nous avons emménagé dans ce nouvel appartement le 12 juillet 2012. À peine deux mois plus tard, notre maréchal Kim Jong-un et sa femme nous ont rendu visite. Une famille modèle. Mais comme tout le monde ici, sa vie est écrite par le régime. Le destin de leur fils est donc tout tracé. Il posera en costume de marié devant les célèbres statues et il passera 10 ans de sa vie au service militaire. Ici, c'est la chambre de notre petit chéri. Ici, c'est son lit. Ça, ce sont des cadeaux qui ont été offerts par le maréchal à notre fils. C'est ta chambre ici, mon cœur. C'est à qui cet uniforme? C'est celui de notre fils.
Vous voulez qu'il devienne général, qu'il travaille dans l'armée? Dans notre pays, nous appliquons la politique de Sang-un. Priorité à l'armée. Donc, quand il sera grand, j'espère que notre fils pourra être une arme au service de notre maréchal Kim Jong-un. C'est pour cela que nous lui avons fait faire cet uniforme. Comme si leur enfant appartenait aux dirigeants avant d'être leur fils. Cela ne choque personne en Corée du Nord, où le culte de la personnalité domine les programmes de la télévision d'État, la seule à laquelle la population a accès. Vous avez déjà vu des films étrangers comme Titanic ou James Bond ? La plupart des films étrangers qui sont diffusés à la télévision sont des films de l'ancien bloc soviétique. À nos yeux, les films capitalistes sont obscènes. Les films socialistes, eux, nous correspondent, nous ressemblent. La télévision ne diffuse jamais des films américains pourris ou de films japonais et sud-coréens que l'on n'aime pas, que nous ne voulons pas regarder. Des films américains pourris, c'est la terminologie officielle. Kim Hyok ne peut nous dire autre chose. Regarder des programmes étrangers est passible d'emprisonnement. Dans la cuisine, Moon Kang-soon prépare le dîner. L'eau courante ne fonctionne que rarement. Elle doit puiser dans sa réserve. La nourriture qu'elle prépare, c'est le parti qui la lui a fourni. On nous distribue du riz et d'autres produits alimentaires de base, comme de l'huile, de la sauce de soja, de la pâte de soja, des œufs, des légumes. Mais comme la quantité de légumes qu'on nous fournit chaque saison n'est pas suffisante, on va de temps en temps au marché pour en acheter. Mais je ne serai pas autorisée à accompagner Moon Kang-soon sur le marché ou à filmer un magasin. L'alimentation, un sujet sensible. D'après les Nations Unies, 80% des foyers ne mangent pas à leur faim. Au milieu des années 90, la situation était encore plus difficile. C'était la grande famine. Elle aurait fait au moins 600 000 morts. Comment s'est passée pour vous la grande famine? Comment avez-vous surmonté cette épreuve? Comment dire? Son embarras est évident, mais Moon Kang-soon va vite se ressaisir. Nous savions que tant que nous avions la direction de notre général Kim Jong-il, nous surmonterions tous les obstacles. Même avec une soupe de riz, nous n'avions pas faim. Moon Kang-soon n'a donc pas souffert de la faim, comme elle n'a pas souffert d'être orpheline. Ce soir, la table est particulièrement bien garnie. Si Moon Kang-soon et son mari ont acheté ces produits sur un marché, ils ont dépensé l'équivalent de 2 semaines de leurs petits revenus. À moins que le parti ne se soit chargé d'apporter cette nourriture avant mon arrivée. L'œil de Pyongyang n'est jamais loin. L'entretien a été suivi discrètement par cette femme, la responsable du parti dans l'immeuble, des surveillants présents dans tous les bâtiments du pays. Le contrôle des citoyens est étendu à tous les domaines. Notre chauffeur ne peut pas circuler librement. Pour se déplacer à l'intérieur du pays, il faut des autorisations spéciales. Nous prenons la route pour la campagne. Avec d'abord une grande traversée de Pyongyang, la capitale. Ces dernières années, la ville s'est transformée. Des bâtiments flambant neufs sont sortis de terre. De grands espaces verts ont été créés. Le tout financé essentiellement par des exportations de minerais dont la Corée du Nord regorge. Mais dès que l'on s'éloigne de la capitale, nous découvrons une autre Corée. Nos guides nous interdisent de filmer. Nous tournons à leur insu.
Sur les routes, nous ne croisons aucun véhicule. Faute de carburant, la population se déplace à vélo ou à pied sur des dizaines de kilomètres. Dans la campagne, nous croisons des charrues à bœufs. Les routes sont chaotiques, poussiéreuses. Tout aussi discrètement, nous profitons d'un arrêt pour tourner ces images. Nous apercevons des paysans qui récoltent à la main. Pas un tracteur à l'horizon. La production est faible, ce qui fragilise le pays et explique en grande partie les famines. Dans la ville voisine aussi, l'écart avec Pyongyang, la capitale, est saisissant. Dans le centre, nous sommes à nouveau officiellement autorisés à filmer. Mais la population est moins bien vêtue et cela préoccupe nos guides. Alors que nous filmons ces hommes qui lisent le journal, notre accompagnateur local, en costume beige, intervient. Il trouve que certains d'entre eux font mauvais effet et leur ordonne donc de partir. Rien n'est laissé au hasard. Voici l'image autorisée. Sélectionner la population, c'est la méthode du régime, selon les Nations Unies. Il y a ceux que l'État juge inutiles, il leur distribue moins de nourriture, et ceux qui sont considérés indispensables au maintien du système, eux sont mieux traités. En haut de l'échelle, les militaires. Nous arrivons au cœur de la zone démilitarisée, le lieu symbole des tensions entre le nord et le sud. Le lieutenant-colonel Nam me fait la visite. Son pire ennemi, les États-Unis. Il m'emmène là où a été signé l'armistice à la fin de la guerre de Corée, en 1953. À ses yeux, son pays a la meilleure armée du monde. Pas de contradiction possible. Pour l'armistice, nous avons exposé le drapeau de notre pays. Les États-Unis, eux, ont voulu dissimuler leur défaite et ils se sont cachés derrière celui des Nations Unies. 60 années ont passé, mais nous avons conservé ce drapeau comme preuve de leur agression contre nous et de leur défaite. Si jamais les États-Unis oublient le passé et nous déclarent à nouveau la guerre, nous les anéantirons. Le lieutenant-colonel Nam m'escorte au plus près du face-à-face. La frontière passe au milieu de ces bâtiments bleus. Derrière cette ligne blanche, c'est la Corée du Sud, avec ses militaires et les alliés américains. En face, les soldats nord-coréens, présentés comme invincibles. Chez nous, on dit un soldat nord-coréen vaut 100 soldats ennemis. Mais nous n'avons jamais été autorisés à filmer cette armée. Vous savez, si vous posez trop de questions sur les questions militaires, alors on ne sait pas où est-ce que vous allez finir. La menace est claire. Avec l'armée, pas question de plaisanter. Ici, les militaires sont omniprésents. La Corée du Nord est le pays le plus militarisé au monde. Tous les hommes passent 10 ans de leur vie sous les drapeaux. Un tiers de la population est réserviste. La seule fois où j'ai pu officiellement approcher l'armée, c'était lors d'un précédent voyage, à l'occasion d'une gigantesque parade. Le régime y dévoile son arsenal et présente ses militaires sous leurs meilleurs jours. Une démonstration de force vis-à-vis de l'étranger, mais aussi de l'intérieur. Un avertissement pour ceux qui ne marchent pas au pas. Le moindre écart, la moindre critique peuvent conduire en camp. «
Des camps répertoriés sur cette carte et ces photos satellites fournies par l'ONU. Ces éléments pourraient permettre à la communauté internationale de poursuivre le régime pour crimes contre l'humanité. Pas de photos des camps, mais ces dessins, réalisés par d'anciens prisonniers réfugiés au sud. Les détenus subiraient des tortures régulières. La privation de nourriture contraindrait les prisonniers à manger des rats et des serpents. Des femmes subiraient des avortements forcés. L'ONU estime que 80 000 à 120 000 personnes seraient ainsi détenues. Un nombre qui ne comptabilise que les prisonniers dits « politiques ». Mais impossible pour moi d'aborder ce sujet, sous peine de mettre mes interlocuteurs en danger. Parler des camps pour un Nord-Coréen, c'est la garantie d'y être envoyé. Mes guides préfèrent me montrer cet hôpital flambant neuf, inauguré il y a 2 ans. Dans ce pays où tout le monde est forcément heureux, même les enfants malades trouvent la force de remercier le régime. Un peu plus loin, dans ce centre de cancérologie modèle, une patiente nous attend. Elle est traitée pour une inflammation mammaire et elle aussi se dit enchantée d'être là. Je suis très heureuse de me faire soigner dans ce palais pour femmes qui a été conçu par notre maréchal Kim Jong-un. Je me sens tellement bien ici que ma maison ne me manque pas. C'est comme un palais. Un détail cependant, dans cette chambre, je ne remarque pas la moindre trace d'effet personnel. Comme si l'hôpital l'avait placée là pour qu'elle me dise sa joie d'être soignée par le régime. La visite se poursuit avec la présentation de matériel dernier cri. Et surtout, un discours bien rodé sur l'efficacité du système de santé. Si un malade à la campagne a besoin de traitements particuliers, l'État, me dit notre accompagnatrice, déploie les grands moyens. Que ce soit pour le président Kim Il-sung, pour notre cher leader Kim Jong-il ou pour le maréchal Kim Jong-un, nos 3 dirigeants, ce qui est le plus important, c'est la santé du peuple. Et c'est vrai qu'en province, on ne peut pas prendre en charge certains cas. Donc il arrive souvent que l'on envoie un avion ou un train express pour lequel on fait arrêter le trafic afin de ramener les patients ici. Le grand leader envoie des trains ou des avions pour aller chercher les malades. Peu crédible et invérifiable, bien sûr. Kim Jong-un, le dirigeant du pays, lui, préfère s'adresser à des spécialistes étrangers quand il a un problème de santé. Et les rares ONG témoignent de situations difficiles. Je rends visite à Première Urgence, aide médicale internationale, à Pyongyang. Véronique Mondon connaît bien le terrain. Elle a inauguré ce bureau il y a 12 ans. Son équipe intervient dans le sud du pays. Il y a un système de suivi des enfants, de suivi des femmes, etc., mais qui est très en difficulté. Il leur manque des tables pour accoucher pour les femmes. Elles accouchent à la maison régulièrement, généralement dans ces campagnes. Il manque, on fait tout un système de soins dentaires. Ils ont effectivement des dentistes et des chaises dentaires, mais qui sont en très mauvais état, on va dire. Véronique Mondon ne peut m'en dire plus sans risquer de compromettre la mission de son ONG. Selon le régime, tous les Nord-Coréens sont égaux. Ma guide veut m'en persuader, égalité, même dans les loisirs. Chaque dimanche, le delphinarium de Pyongyang fait salle comble.
Mais qui sont exactement ces spectateurs? Qui a les moyens de se divertir dans ce pays où une famille ne dispose, selon certains observateurs, que de quelques dizaines d'euros par mois? Lorsque je pose cette question, mes accompagnateurs refusent de me répondre. Dans ce centre équestre, je vais comprendre que le paradis socialiste n'est réservé qu'à quelques-uns. Au départ, la guide locale m'explique que l'équitation n'est pas un sport de riches. Ici, c'est un lieu de repos, un lieu d'exercice à disposition des jeunes, des personnes âgées, de tout le peuple. Cet endroit symbolise l'amour de notre maréchal Kim Jong-un. Ici, il n'y a pas de privilégiés. Ce centre équestre serait donc un cadeau offert par le maréchal à ses concitoyens. Mais la femme qui encadre notre visite va commettre un impair. Si c'est offert, ça veut dire que c'est gratuit? Non, ce n'est pas gratuit. Il y a des tarifs horaires en fonction des clients. Déjà, l'entrée coûte cher. Ça coûte 1000 won. Et ensuite, c'est 40 000 won par heure. Ma guide corrige le tir. En fait, elle a dit le prix pour l'entrée, c'est très très bas. L'entrée, c'est... D'accord. C'est le seul tarif que l'on mentionnera devant moi. 1000 won l'entrée, c'est un peu moins d'un euro, même s'il n'y a pas de taux de change officiel. Mais 40 000 won pour une heure de cours, c'est une énorme somme. Sauf pour une poignée de Nord-Coréens. Une petite classe de privilégiés voit le jour. Des grossistes, des marchands... qui profitent des failles du système de distribution étatique et développent le commerce avec la Chine. Une ébauche d'économie de marché que l'État tolère. C'est mon dernier jour en Corée du Nord. Le pays célèbre l'anniversaire du parti. Je demande à voir ce que font les habitants de Pyongyang à cette occasion et je suis conduite sur cette colline. Là, je peux observer ceux qui, peut-être un jour, menaceront le régime. Ces privilégiés peuvent-ils jouer un rôle au-delà de l'économie? Ils se déplacent davantage et ont donc plus d'accès à l'information. Est-ce d'eux que viendra le changement? Quelque chose est en mouvement en Corée du Nord, dans le plus grand secret.